Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palme Sacman Boulaka. Je vous dis à nous devons parler de histoire ça, histoire de Don T-Shop. Monsieur ça, nous regardons derrière là, nous les gens, monsieur levé de bon, allez le content. Et c'est une histoire vraiment qui triste, mais qui est justement gain la joie la donne en même temps. En fait, qui s'allie. Monsieur saute passé là, attendez bien, 24 ans dans prison pour un crime qu'il n'a pas commis. 24 ans. Et finalement, et je suis arrivé justement à joindre liberté lorsque le gouverneur de North Carolina, nous voulons parler de Roux Cooper, vendredi qui s'est passé là, enfin vendredi ça s'est passé dans le week-end, le gouverneur là pardonné monsieur. Il allait plus loin. Non seulement pardonner, il permet que pour monsieur Kounye là capable de faire application. Dédommagement, ça nous est les compensations et ouvrir les oreilles ou bien, monsieur capable de joindre jusqu'à 750 000 dollars. On dit 3/4 million de dollars. Donc 750 millions de dollars. Donc nous comprenons et contentement et raison qui fait que monsieur levé des bras l'enlève. Et il faut nous dans quatre dossiers ça et shop avec un bon autre monde encore. Il était condamné yo mais en fait c'est monsieur qui prend plus temps prison 24 ans donc il fait comprendre que et effectivement yo était metté en prison injustement et gouverneur a dit que monsieur méritait pour que injustice ça et bien et pour que yo paye ça c'est dans déclaration ça et publiquement tout le monde a supposé reconnaître c'était une injustice et bail compensation. Et d'après Associated Press, faut nous dire que yo te condamné monsieur à vie à l'âge de 19 ans. OK? Yo condamné la vie à l'âge de 19 ans. First degree murder pour citoyen ça George Radcliffe 33 ans dans l'année 1985. Yo accusé comme quoi c'est lui qui touille Radcliffe. OK? Et pendant dans sa retirée on causé drug deal. Et en fait, ça passé dans case monsieur a. Yo accusé monsieur, yo condamné monsieur seulement sur base de témoignages de un petit monde qui gagne 15 ans et qui déclaré que li wè monsieur. Mais après li vin expliquer t'allez bien il dit même si moun sa ki gen 15 ans par la suite li vin refè histoire racontant l'autre bagay et li dit que li pat la lorsque justement bal sa ta pété et li expliquer que c'est une histoire que li monté. Son histoire qu'il fait basée sur ça investigateur yo te deal. Est-ce que vous comprenez la cause? OK? Donc yo mette nèg là dans prison et parce que yon seul grand démon, yon ti moun font déclaration. Donc yo prend 24 ans dans la ville. OK? Et monsieur était toujours maintenu innocent. OK, je pas de jambou qui dit que est innocent. En 2019 dans une interview, monsieur annoncé que l'innocent et monsieur t'est refusé, et c'est là où je me suis mené bataille. Il a dit monsieur, il va le condamner, il va le balancer sentence qui plus bas s'il accepte faire ça dans le guilty plea. S'il a accepté justement pour dire qu'il est coupable, il a dit qu'il y a balle, on s'entend ce qu'il y a. Monsieur était dérefusé. Monsieur dérefusé dans cause ça. Et on va se comprendre. C'est là, ouais. C'est dit, monsieur connaît le parfum, il a dit que mon cher Vini, n'a pas réduit en paix, non. Justement, soit accepté, eh bien pour dire que ça va être un guilty plea. By the way, c'est dans le bagage ça. Et Guy Philippe est entré, bon monde qui n'a pas fini de comprendre. Qu'a parlé Philippe là pour un bon titan en prison à moins que monsieur t'a fait bon il y a parfois des comportements qu'on gagne en prison yo qu'on font bail. OK, so
Monsieur, nous bien d'où je viens aujourd'hui et après 24 ans en prison, monsieur dit pas de quoi. Les finalement vendredi avocat relé le bal nouvelle là pour dire qu'il pardonné et additionnellement monsieur pomme d'où bien avant pour bagage ça arrivé là grand pile bataille qui fait tout et gen moun justement qui prend la rue OK dans North Carolina en pile monde qui prend la rue et gen moun qui fait ça relé sitting justement pour rendre liberté puisque nouvelle là te prend la rue que nèg la pas coupable OK et maintenant monsieur justement qui te met jusqu'au bout puisque malgré et c'est là depuis là pour monter suspect malgré on te dit d'après du père nous font Jean monsieur te dit non il pas accepté puisque il pas connaît font pas ça et maintenant ça va dire que pas là 24 ans monsieur pas Jean monter pour pas faire non avait dit pendant ces années monsieur pas à plusieurs reprises monsieur fait request il fait demande parce que on doit faire ça pour ça n'a relé un nouveau jugement OK jusqu'à ce que eh bien ancien medical state là et témoigné devant state théorie sur chute là et il a pas expliqué que ça a expliqué à demain sur le plan médical scientifique pas possible et il y a un juge qui devait demander plus évidence et il était venu là monsieur dans prison en 2019 après prosecutor dit que c'est la pata supposé et fait un nouveau jugement et dans pile organisation tant que NAC qui longtemps mandé pour yo lagué monsieur pendant toute année yo et fond du te gain sandare les de racial justice group qui mandé au gouverneur là et justement bay monsieur on sorte de clémence pour capable faire application pour compensation pour justement conviction ça que condamnation ça que au fait contre lui. Et révérend Anthony Speakerman qui c'est un North Carolina leader, il était parmi monde qui a participé dans justement et sitting pour que gouverneur là justement pardonner la pile pression, gouverneur là avant pour pardonner là en pile monde dit bon nous ouais que son injustice et en pile monde a dit freedom is incomplete as long as que justement il y a pas de compensation et gouverneur là justement et finalement et pardonner monsieur. Et je vous dis, monsieur qui est éligible là, très tellement qui pourra derrière 750 000 dollars, bien entendu. Et bien entendu, le juge là pour un petit bagage, mais quelque part, et j'ai un bon petit problème. Donc voilà, guys, nous devons update ça pour nous. C'était un véritable plaisir. Bye bye tout le monde.